À Cuba, on est surveillé, il y en a des informateurs, il y en a des gens partout. C'est un peu prémédité de rester ici au Canada. C'était pensé, là. Je suis Pedro Cruz, et je suis commis à la SAQ depuis 20 ans, et je viens de Cuba. Je suis né à Cuba, donc la radio à Cuba est toujours allumée, et la musique y joue. Moi, dans ma vie, je voulais être danseur. Ça, c'est mal vu qu'un garçon fasse la danse. Donc, ma mère a décidé que non. Et ça, c'est une des grosses frustrations de ma vie. Parce que je voulais vraiment, mais vraiment être danseur. J'avais tout pour l'être. J'ai le rythme à moi, je danse, j'aime ça. J'ai un parcours de vie très spécial. J'étudie en Russie, je suis devenu interprète. Je traduisais espagnol, russe. Puis je commençais à voyager. C'est là que j'ai demandé l'asile politique ici à Montréal. C'était difficile à Cuba de travailler pour le gouvernement, d'être gay. Donc j'ai décidé de partir de Cuba pour être moi-même. À Cuba, je ne pouvais pas l'être. Aujourd'hui, j'habite à Montréal depuis 30 ans. Je suis arrivé avec 0 dollars. Aujourd'hui, je travaille à la SAQ, j'ai ma maison, je suis bien. Moi, je suis quelqu'un d'extroverti. Moi, j'aime les gens. Savoir ce qu'ils pensent, comment ils vivent. L'interaction entre les gens, c'est quelque chose que moi aussi, j'aime beaucoup. Ça me passionne. D'ailleurs, je sens que les clients aussi m'aiment. Des gens qui viennent te parler, te raconter des histoires. On rencontre des gens qui sont tes amis, qu'on est content de les voir quand ils arrivent. Et ça, ça arrive à tous les jours. Hein? Vous savez, chaque vin, chaque bouteille a une histoire. Et là, on ouvre ces boîtes-là, c'est le mystère. Il y en a toutes sortes de choses là-dedans. Même des fois, il y a la poussière. Mais ça vient de ces pays-là. C'est comme un livre qu'on ouvre et on découvre. Ben, c'est le Cabri, c'est mon coup de cœur. Je le recommande à tout le monde parce qu'il est bon. Au quotidien, ce qui me rend heureux, c'est le fait de me réveiller le matin et de pouvoir partir faire quelque chose, apporter quelque chose. Oui, il est un ingénieur, l'autre un chauffeur de taxi. Mais moi aussi, j'apporte quelque chose, moi aussi. Je fais du plaisir au monde. Et ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que j'aime de mon héritage cubain? C'est la nourriture, c'est la musique. Aller danser, aller bouger, aller dans les discothèques, écouter la musique cubaine, la musique latino, c'est l'endroit où toutes mes passions arrivent tous en même temps. Les gens qui sont à côté de moi, les vins, mais les rhums aussi. Il y en a la musique, puis beaucoup, beaucoup de souvenirs et de choses qui me viennent dans la tête. C'est son soleil danse, c'est tout ça ensemble.